c'est Pierre qui roule, on est avec Cochise, Gamertag Xbox, alias Frédéric Mac 45 sur YouTube, et on est sur Sniper Elite 5, et on est à la deuxième partie, résidence occupée, et on va essayer de faire un 100% à chaque fois. C'est pas évident. Voilà, et vu qu'on n'arrête pas de mourir, là, c'est la fin d'hier. Oh putain! Oh. Ouais bah, vu que t'es mort, l'autre il est mort, tout le monde est mort, t'es pas dans la merde. Hein. T'es dans quel étage? T'es à l'étage au-dessus? Si j'allais mettre une mine. Bon, je vais désamorcer ma mine. Ah, t'as mis une, un truc sur le mec. Là, tu l'as pigé. On va le piger. Ouais, c'est bon, j'ai pas. Old intel. Already know this. Mahler's office. Need a way through the door. Gotta find the key. Or could go loud with a satchel charge. Chateau like this. Ledges and railing should let me travel around the outside. This top secret project. Get out of here. C'est vraiment pas doué. Vous avez vu depuis tout à l'heure, hein, le mec il a mangé. Il a juste mangé. Hein, d'accord. Moi j'ai picolé, hein, je suis raide pété. Et le mec il arrête pas de mourir. Incroyable. C'est formidable, formidable. Après, dites-moi. A hidden room. Mahler's one crafty bastard. Oh, nothing. Not here. False wall panel. Sneaky bastard. Bingo. Okay, Operation Kraken, let's see. Kriegsmarine, Ostland SD, meeting at Beaumont Saint-Denis. Sounds big. Friends in Japan. Just how many connections in the Axis does Mahler have? Bon, je peux sortir ou pas? Got what I came for. Time to link up with the resistance and get out of here. Pas moi ça. Et on n'a pas eu le point. Trop loin, c'est ça? One down. Found to be more. Ah, t'as oublié la statuette. J'étais là pour voir.
sidearm. Nice and quick. Moment mal. J'ai eu 3 aigles, c'est bien. Normalement. Ouais, c'est bon. 19 sur 19. Comme ça. Parce que parfois j'utilise. Nothing else to find. Pour le plaisir. Il a eu mal à la tête.
Hein? Ouais, j'ai cru, ouais. J'ai vu un mec. Guess I grabbed everything useful. Ah d'accord, il y en a un. Bâtard sa mère. They'll find me if I stay here. Je certainly petit, take advantage of this. Incroyable. Qui te court après. Hey, look over there. Bon, tu l'as vu? This will come in very useful. Faut se casser d'ici, c'est ça? Non? Ah bon. Ah oui, je vois.
se fait. This SMG could do some damage. This grass could make some useful cover. Better move it. Bien vu. Non, il est là-bas. Il monte l'escalier là-bas. Putain! Ah ben il est mort, je crois, non? Je peux pas faire la corde dans le sens. Hein? Je vais pas faire la corde dans le sens. Je suppose. Ah, bah non, bah, tant pis. Je te vois mourir en fait. Hein. Salut! Weapons empty. Voilà. Putain la honte les gars, on est nuls, on est des merdes, on est des merdes. Putain, et ce soir les gars, 2h du matin, Starfield. Dans un état pas possible en fait. Tiens, salut à Idrial. Alors Idrial est nul, c'est ça ton pseudo? Idrial est nul. Ouais. Il faudrait m'expliquer pourquoi Idrial est nul, je comprends. En plus, est nul le au féminin. Donc je dirais que bonjour madame. Merci pour le follow. Et Idrial, pourquoi en fait? Je suis en train de manger avec le temps. Bon alors, on va y arriver, hein. I better move. Putain. Mais attends, ils ont tous repop. J'ai vu, tu t'es pris la tête avec elle, jackpot, je l'aime pas, c'est pour ça le pseudo. Ah d'accord, ok. Ah sur Twitter tu parles, ah oui, ok.
Ouais, enfin, sur Twitter, je me parle tellement la tête, tellement souvent. Bon, après, c'est pas mortel. Hein. Les gens comme ça, je les bloque. Hein. Tiens, c'est une statuette, ça. J'ai trouvé une statuette en or. Nice. Ah, d'accord. Interesting. I can certainly take advantage of this. Oui, donc oui, wow, oui, je me suis pris la tête avec qui? Donc avec elle, Idrial, d'accord, et Jackpot, oui, ouais. Juste, alors, c'est des gens que je connaissais même pas sur Twitter. Je le suivais pas. Je suis même pas ces gens-là sur Twitter. Et j'ai vu un post où il disait, je sais plus quoi, un truc anodin. Et moi, j'ai dit... Ah oui, il parlait de Starfield comme quoi il sait pas s'il a streamé à 2h du matin. Et moi, j'ai répondu, bah justement, bah... Si, moi je vais streamer à 10h du matin et j'ai mis la photo, non pas le lien en plus, hein, j'ai même pas mis le lien de ma chaîne Twitch ou de ma chaîne YouTube, hein, j'ai mis juste la photo de ma chaîne Twitch, la photo, en disant moi je vais le streamer à 2h du matin. Et il y a une de ses copines, comment il s'appelle, Jacques Pop sur Twitter, une copine ou un copain, je sais pas, une photo de fille, hein, donc j'ai une copine. Qui a dit comme ça, qui a commencé à me prendre le chou en disant oui, la pub gratuite, c'est pas ton poste déjà d'un, c'est pas la pub gratuite, il a mis un poste public, j'ai le droit de mettre ce que je veux, s'il est pas content, il me bloque ou il supprime le tweet, mais il peut pas me supprimer, donc il me bloque, voilà, et puis voilà, c'est tout. Et puis bon, la fameuse personne n'aimait pas que je la reprenne sur sa safe d'orthographe, parce que c'était encore, à mon avis, derrière un gamin illettré. Hein, ou encore un casse illettré, c'est pareil, c'est du même genre. Et elle a pas aimé, donc elle a dit oui, la politesse. Je dis la politesse, je connais, mais dis, comme ça, j'ai répondu. Je dis ça. Tu pourrais ouvrir ta gueule si t'étais sur ton poste, mais c'est pas ton poste, tu vois. Et puis, bon, bah. Elle l'a pas apprécié parce qu'elle a dit oui, c'est mon copain ou c'est mon pote. Et puis lui, il s'est ramené aussi. Puis, j'ai bloqué tous les deux parce que c'est franchement... Mon dieu, on arrive dans un monde où les gens ils pètent un cap parce que. Et ils mettent un com public sur Twitter et après ils engueulent les gens qui ne sont même pas abonnés à leur chaîne de mettre un commentaire. Non, ça me donne pas aussi de ça. Des commentaires. Donc oui, c'est pas grave, hein, on va pas mort d'homme. Ah c'est ça. Enfin, on s'en fout, hein, pas mort d'homme. Et s'ils ont peur d'un simple post d'un gars qui n'est même pas dans leur follow et qui font un pataquès comme ça à deux pour un simple gars qui met comme moi même pas un lien Twitch, hein, une photo de sa chaîne Twitch ou qui a quoi, même pas 130 abonnés, tu vois. Ah, s'ils réagissent comme ça. Pour un gugus comme moi, en fait, qui a même pas 130 abonnés et qui stream par-ci par-là, c'était, tu me vois la mentalité de ces deux cons là. Oui, c'est une petite mentalité de neuneu, quoi. Je fais ça moi. Mmh.
Ouais. Alors pour te répondre, Idrial est nul. J'adore le pseudo. ça fait combien de temps que tu stream? Oh, putain, ça fait combien de temps? Oh, oh là là. Ouais, une question trop dure pour moi. Je crois que ça va faire. Alors, je sais que de commencer à jouer super bien, c'était en 2016 avec l'arrivée de The Division 1. Mais j'ai pas streamé à ce moment-là. Je crois que j'ai commencé à streamer il y a peut-être 2-3 ans. Maximum 2-3 ans. Pas plus. Ouais, 3 ans, je dirais. Voilà, en 2020. Et encore, je stream pour mon plaisir personnel et pour faire des let's play que j'upload sur ma chaîne YouTube. Il y a peut-être un peu plus d'abonnés que ma chaîne Twitch. Mais bon, je suis pas à 200 pour autant. Hein. Je crois que je suis à 170. Et franchement, perso, vu que... Ouais, voilà, je stream pas pour avoir des followers ou des viewers et tout ça. Pour la monétisation, puisque en fait, j'ai un travail à côté qui me permet de payer mes jeux. J'ai un certain âge aussi. Hein, voilà. Je vis pas chez papa, maman à leur crochet, comme beaucoup. Et... voilà, et qui pensent faire carrière dans le stream alors qu'en fait ils ont une carrière et qui devraient plutôt aller travailler à l'usine ou travailler point barre tout court plutôt que de vivre au crochet de papa et maman parce que ça marchera un temps mais pas tout le temps. Hein? Oula. Ouais, je suis mouru en tombant simplement de... du mur. Non, même pas. C'est pas moi. Oh le gueux. Et là, et comme tu peux voir, je suis un vrai noob aujourd'hui. J'ai 49 ans, tassé. Je suis un noob. Généralement, je joue au jeu solo en mode facile, hein, le plus possible. Soit histoire, soit facile. Donc en gros, ouais, soit extrêmement facile, soit facile en solo. Parce que parfois, il y a des boss qui me frustrent. Et donc, je peux pas les... je peux pas le passer. Donc ça va me bloquer dans le jeu et c'est dommage. Soit en coop, là, comme les jeux PvE en coop, et parce que quand c'est trop dur, bah, y a au moins le copain qui est plus doué que moi, parce que c'est facile, vous allez me dire, et puis qui, qui passe le niveau. Il passe le niveau tranquille. Bon, là, ça va être dur, parce que si on meurt tout le temps, j'y arriverai, on n'arrivera pas, ouais. It's time to move. Interesting. All right, I can use this. Another one in the bag. Nice. Wo bist du? Zeig dich! Y'a un mec là, c'est qui? C'est toi? Ah, c'est toi. Y'a un mec pas con. Celui-là, je l'ai pas. J'ai pas raté celui-là. Ah, y'en a un qui monte, fais gaffe. Il y en a qui monte. On a fini là? Over there. Was? Oh. Oui. Où? Ouais, je sais, vous êtes tous témoins, ceux qui regardent. C'est encore moi qui tirais dans mon coéquipier. Je sais, je suis pas doué. Nothing else. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon ami? Mais je l'ai suivi avant et en vrai, il est présent quand même un peu sur Twitch. Les deux, les gars, jackpot avec leur bande de potes, mais n'aide pas les autres. Petit screamer. Ah, ouais, bah ça, oui. Il dit le copain, il dit. Que, en fait ils aident pas les... que ces deux personnes là ils sont Twitch pour les viewers mais qui s'aident pas entre eux, tu vois, ils follow pas les petits. Moi en fait c'est simple, quand il y a quelqu'un qui me follow, là comme tu viens me faire, je follow back. Que t'es un ou deux abonnés, je m'en fous carrément, même t'en as zéro, je te follow. Tu me follow, je te follow, voilà, c'est comme ça. Je fais pareil ça sur YouTube et tout ça. Et généralement je ne suis sur Twitch que une ou deux personnes qui a plus de 1000 abonnés. Mais je les ai bien choisis, je les suis depuis longtemps. C'est monsieur Sebi qui joue surtout sur
Forza Horizon 5. Alors, c'est Modesto. Et puis Malcolm qui joue sur Call of. Voilà. En gros, c'est eux que je suis le plus souvent dans le sens qu'ils ont plus d'abonnés. Et puis après, j'ai ma propre team où j'ai mes propres potes qui jouent. Alles auseinander! Achtung, Granate! Ist da jemand? Je suis encerclé, je crois. Jeux vidéo, c'est pour s'amuser, pas pour la compétition. Tout à fait. Pour ça que même quand je joue à Call of, je joue avec les copains, tellement je suis nul d'ailleurs. Et qu'on joue pas pour la compète, on joue pour se marrer. Alors si je meurs 50 fois mais j'en tue 15, je suis content. Et d'ailleurs, généralement en Call of, c'est ça. Sauf parce que quand j'ai la manette Elite qui est bien paramétrée. Los, sucht alles ab. Tout sur ma gueule. Ouais. Ouf. On a fini. On a fini la version l'épisode 2 de la campagne de Sniper. Et on n'a même pas eu les 3 étoiles. On n'a même pas eu d'objectif facultatif en commençant plus de 10 fois. Ah, ah, ah mon dieu. Alors, Edrian est nul, n'aie pas peur. Je vais couper le stream et je vais le reprendre tout de suite après dans la foulée. Parce que, en fait, moi je ne sais pas faire de montage. Hein. Donc quand je fais des let's play, je fais partie par partie. Là on a fait Résidence Occupée le 2. On va faire Académie d'espions, donc je vais couper là de suite et je vais relancer tout de suite. Voilà, en changeant le titre, simplement parce que je stream via l'application Twitch de ma Xbox, parce que j'ai pas envie de me fouler, mais que je regarde en fait ce qui se passe sur mon PC à côté. Alors, on coupe et on reprend.